Raid en Blacklight, le spectacle d'Ibrahim Malouf, a été sacré concert de l'année aux 32e victoires de la musique, vendredi soir au Zénith de Paris. Une nouvelle consécration pour le trompettiste de 36 ans, qui fête la deuxième victoire de sa carrière après celle de l'album de musique traditionnelle ou musique du monde pour Illusion en 2014. Au micro d'Europe 1, Ibrahim Malouf a confié sa joie et a tenu à partager sa victoire avec tous les passionnés de musique. « Je suis très heureux pour tous les instrumentistes », glisse-t-il. Ne pas partir sans avoir transmis. Ibrahim Malouf fait l'éloge de l'héritage musical transmis par sa famille et ses professeurs. Je trouve qu'on a de la chance parce que nos parents, les profs, nous apprennent plein de choses. À partir de là, on construit notre vie, a confié le musicien. Pour le trompettiste, toujours généreux sur scène, il est important de rendre au public ce qu'on lui a donné. Si à notre tour on ne transmet pas, on ne sert à rien. Si on est là juste pour kiffer notre propre kiff, et partir sans avoir transmis, je trouve ça un peu ridicule et dommage, estime-t-il.